Dans le but de rationaliser les dépenses publiques et de consolider le budget de l'État, le CNRD met en vente aux enchères une partie du parc automobile de l'État composée essentiellement de véhicules 4x4 V8 neufs et d'occasion. La mise à prix de chaque véhicule devant faire l'objet d'une vente aux enchères publiques sera fixée par le ministre secrétaire général de la présidence qui fera recours au service de la Direction générale des garages du gouvernement, de la Direction nationale de la comptabilité matière et matérielle, et ceux des experts automobiles. Une commission technique qui a réuni notamment le ministre du Budget, le directeur général des douanes, des huissiers de justice, a défini le cadre légal de cette opération. Les services d'un commissaire-priseur ont été requis et les enchères se dérouleront en public sur le domaine appelé Burkina. Un arrêté conjoint portant autorisation de vente de ces enchères publiques des véhicules de l'État sera pris dans les jours à venir. Ces recettes seront versées au trésor public et serviront à équiper les centres de formation professionnelle et à renforcer les capacités d'accueil dans les unités d'urgence au sein de certains hôpitaux de Guinée. La Direction générale des douanes dirigera cette opération, dont les recettes seront versées au trésor public et serviront à équiper les centres de formation professionnelle et à renforcer les